Bonjour à tous, c'est Doc McCoy, on se retrouve sur Super Famicom pour tester Magical Poppen, sorti en 1995, développé par Polestar et édité par Pack-in Video. Vous avez vu, hein, on va lancer une partie tout de suite, vous avez vu dans l'intro la gemme magique légendaire qui possède de grands pouvoirs scellée dans le château de Toal, tout simplement s'apprête à être volée par une armée, l'armée du roi démon. Et nous, on incarne en fait la jeune princesse très énergique qui a découvert qu'elle avait des dons pour la magie. Voilà, la voilà. Hein. Et on va essayer de récupérer la gemme magique pour éviter que le roi démon, le Demon King, je sais pas quoi là, ne dirige le monde. Voilà. Et notamment, dans l'intro, ils expliquent que la magie est cachée partout dans le monde par nos ancêtres et qu'il faudra la trouver. Et voilà. Donc on dirige cette petite princesse blondinette, hop, avec qui on peut donner des coups d'épée. On peut donner des coups d'épée, on peut sauter, on peut donner des coups d'épée en sautant, on peut donner des coups d'épée en l'air, en tombant, par terre, on peut avancer, avancer en rampant, on peut faire une glissade. Et je crois que c'est à peu près tout. Je vois pas trop ce qu'elle aurait pu faire d'autre. Si, bien sûr, on a un pouvoir spécial qui est représenté, c'est la magie. En fait, on a une touche pour la magie. Ici, on n'a qu'une seule magie. Pour l'instant, c'est la petite boule de feu. Mais vous allez me dire, et le Kamehameha qu'elle fait dans l'intro, bah, vous appuyez sur Select et ça donne une super magie. Sachant que les super magies, cette super magie-là, alors si je ne dis pas de conneries, bouffe 8 points de magie. Et sinon, les magies en général mangent le nombre de points indiqués. Comme là, c'est la boule de feu, là, c'est enfin la boule d'énergie, c'est 2. Ah mince, je pense que j'ai loupé des bonus là. Pas grave. Hop. Ah, je me suis trompé de touche. Donc j'évite de crever quand même tout de suite, ce serait ballot quand même. Hop là. Ah, zut. Attention, on attend. Voilà. Et donc on a beaucoup d'actions possibles avec cette petite princesse. Hein. Sachant qu'on aura bien entendu, vous l'aurez compris, d'autres magies disponibles. Hop là. Un petit peu plus loin dans le jeu, il faudra les trouver. Hop, et on pourra récupérer bien sûr des étoiles qui sont
c'est un petit peu la mana du jeu, hein, c'est les points de, ce qui permet de lancer des magies, soit sur les ennemis, soit dans des coffres, dans des cachettes, etc. Hop, voilà, tac. Et les petits bonbons, les petites parts de gâteau, tout ça, c'est de la santé, bien sûr. Je crois qu'il n'y a rien, mais je vais quand même y aller. Alors, ils sont chiants, ils ont une bonne portée. Puis alors, les personnages qui ont une armure ne sont pas touchés au premier coup. Hein. Bon, là, évidemment, j'ai perdu. Oh, ici, il faut y aller. Faut aller par là, parce que comme ça, on gagne des bonus. Essayez de pas crever tout de suite, parce que là, je joue très, très mal. Hop, alors ici, si je dis pas de bêtises, il faut monter, faut sauter sur le lit. Et on a un coffre. Coffre qui permet d'avoir le premier cœur du jeu. Alors le cœur, c'est comme dans Zelda, c'est un conteneur. Là, j'avais 3 points de vie, maintenant j'en ai 4. Et il y en a planqué un petit peu partout. Et sinon, si je voulais récupérer toute ma vie, il fallait que je récupère un... Hop là, vous voyez, on peut tomber d'un niveau à un autre. Hop là, on peut récupérer un gâteau. Alors, on croit qu'il y a une porte, mais on peut pas y aller, en fait. C'est un troll, on appelle ça. Hop là. Hop là, voilà. Là, on va regrimper. Alors, elle fait plein de petits bruits, plein de petites mimiques. Elle fait des mimiques, elle fait des bruits. Elle est très rigolote, cette petite princesse. Alors, une part de gâteau, et ici, on va récupérer, si je dis pas de bêtises, c'est des étoiles, ça, je crois. Ah non, non, ah oui, non, ça, c'est bien aussi, ça. Ça c'est, alors vous vous dites, quand vous voyez le symbole tout en haut à gauche, vous vous dites tiens c'est une vie que t'as récupéré, mais en fait non, c'est pas une vie, c'est un tiers de vie. Qu'est-ce que ces conneries? En fait on récupère pas directement des vies, là on va voir un premier mini boss, espèce de magicien, hop, qui fait bouger les meubles. On appelle ça un mec qui fait du spiritisme. On fait bouger les tables et on le poutre en 3 coups. Donc le tiers de vie, là, en fait, on récupère 3 médaillons comme ça, dorés, à l'effigie de notre princesse. Au bout du troisième, on a une vie, tout simplement. Donc ça permet de ne pas avoir des vies partout, mais on peut en avoir quand même. Alors lui, par exemple, il m'énerve parce qu'il saute en arrière, donc j'utilise le Magical Pong. Et hop, c'est parti. Et lui, il m'énerve. Hop, alors hop là, boum. Alors là, il faut pas que je me gourre, il y a un truc à récupérer. Hop, ici, il faut sauter sur ce balcon. Et je sais plus ce qu'on récupère, mais il y a un trésor, il me semble. Voilà. Des étoiles, bon, c'est tout pourri. Mais à chaque fois, j'oublie d'y aller sur ce balcon, donc là, j'y ai pensé. Pour vous, pour ce test, j'y ai pensé. Et on va aller par là. C'est un jeu où on peut aller dans un niveau, on peut revenir en arrière, retrouver ce qu'on a loupé éventuellement. Alors ici, vous voyez, il y a un symbole. Une espèce de sucette. Alors moi je crois que c'était une loupe, mais en fait c'est une espèce de sucette. Et vous voyez qu'on a le même symbole dans nos magies en haut, sauf qu'on peut pas la voir. Quand j'appuie, on peut pas y aller. J'appuie sur L ou sur R, on peut pas y aller parce qu'on l'a pas cette magie. Et donc on va essayer de la trouver. Alors bien sûr dans le premier niveau, elle est pas très bien cachée. Dans les autres, elle est un petit peu mieux cachée. Mais bon, ça reste quand même sur le chemin. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si on n'a pas la bonne magie, on peut pas progresser. Hop, c'est un jeu qui a un aspect faussement non linéaire. Et là, on va arriver dans une salle. Il y en aura plusieurs dans le jeu, des salles comme ça. C'est les salles de la magie, où on va récolter, en fait, la magie laissée là par nos ancêtres. Voilà. Hop. Et donc, on a récupéré la deuxième magie, qui est la magie des bombes sucettes, moi, j'appelle ça. Et donc, hop, ça fait ça. Ça lance une grenade, en fait, tout simplement. C'est des grenades. Et si je peux pas y aller? Si je peux pas y aller, je dois pouvoir y aller, mais par un autre chemin. Vu qu'il y a un endroit, on a vu, juste derrière, il y a des blocs comme ça qu'on doit casser avec le... On peut faire ça ici, si on veut qu'ils arrêtent de nous faire chier, ceux-là, voilà. Il faut pas les gaspiller, ça coûte quand même 4 points, 4 étoiles. Hein. Mais c'est utile, c'est très utile. Alors, voilà. Ici, on est obligé de l'utiliser. Ici, on va passer là. On aurait pu passer au-dessus, je pense, pour avoir des bonus. Attendez, hop. Non, il veut pas, lui. Ici, on peut l'utiliser pour lui parce qu'il est planqué. Mais on aurait pu aussi... Ici, ça sert à rien d'y aller. On pouvait aussi utiliser l'attaque vers le bord. Hop, bam. Mais allez, la touche s'active pas, je sais pas pourquoi. Et on peut pas passer, là.
Tout simplement parce qu'il faut passer par en bas. C'est pour ça que je suis pas passé par en bas tout de suite. Bam. Un petit part de gâteau, ça fait toujours plaisir. Par où ça passe? Ici. Une autre, un autre médaillon qui permet d'avoir une vie. Hop, donc qu'est-ce que je peux vous dire techniquement sur le jeu? Le jeu, il est impeccable, niveau maniabilité, il n'y a pas de problème. Ça se manie super bien. Alors, il y aura une exception, je vous en parlerai après. Mais pour l'instant, le maniement, c'est du bonheur. On peut faire à peu près tout avec, avec notre petite héroïne. Elle répond au doigt et à l'œil. Et vous avez vu le nombre d'attaques qu'on a, c'est juste hallucinant. Bon, les attaques vers le bas, les attaques vers le haut, les attaques sautées, les attaques... bon, la glissade qui sert pas à grand-chose, mais qui a mérite d'exister. Ah mince, bon, c'est pas grave. Ce que je vais faire ici, hop. Alors ici, c'est l'espèce de tank. Si on veut s'en débarrasser, là, il faut utiliser la grenade. Bam. Voilà. Et là, on va attaquer le boss du niveau. Comme ça, on ira au niveau 2, la forêt. Donc, le boss du niveau, une espèce de gargouille. Qui est assez facile, tout du moins, si on fait pas ça. Est-ce qu'on peut le... On a assez de détente en fait pour le toucher comme ça de, en hauteur. On n'est pas... Oh attention, quand il fait ça, faut lui sauter par-dessus. Mais là, je me suis loupé. Ah, je fais n'importe quoi. Pourtant, les boss sont pas difficiles. Hein. Vous aurez l'occasion de le voir à partir du deuxième niveau. Les boss sont vraiment, vraiment pas difficiles. Donc au niveau de la maniabilité, franchement, le jeu, il répond nickel. Hop, attends un peu que je te... Attends un peu, toi. Voilà, enfin juste prendre le même timing que lui. Voilà, et puis là, bon, il va peut-être faire encore sa vrille. Ah, à chaque fois, je saute trop tôt. Parce qu'il va quand même assez vite quand il fait ça, donc je me fais toujours avoir. Mais bon, là, voilà, il est mort. Et j'ai, vous voyez, j'ai encore pas mal de vie. Hein. Pourtant, je me suis fait toucher quand même pas mal de fois. Là, comme ça, on va pouvoir attaquer le deuxième niveau avec toujours pareil, une magie à récolter. Et vous allez voir quelle magie, justement. Là, on a mis en fuite l'armée du roi démon, mais bon, on va pas s'arrêter là, on va continuer, on va essayer de récupérer la gemme magique. Sans ça, le monde serait en danger. Voilà, on a toujours un petit intertitre comme ça, avec des, on a vu qu'on avait une introduction en dessin animé, en animé, qui était assez joli. Ici, pareil, un petit niveau assez joli aussi, le niveau de la forêt. C'est vrai qu'il y aura pas mal d'environnements différents dans cette forêt. Ici, le piranhas. Hop là. Hop, saloperie. J'ai cru qu'il allait me sauter dessus. On peut leur tomber dessus. On peut marcher dans l'eau la plupart du temps. L'eau, elle n'est pas très profonde. On peut marcher dedans. Et ici, on va... Alors, vous voyez, ici, on voit un drôle de truc. Et on peut pas aller là. Ici, là, on peut pas y aller. On se dit, tiens, il va falloir une nouvelle magie. Et effectivement, on va aller se promener dans les sous-sols pour trouver cette deuxième magie. Bon, on sait déjà à peu près à quoi ressemblent les magies, puisqu'on a des icônes... vous voyez, tout en haut, là, on a les icônes de ce qu'on a et les autres. Et on sait donc qu'on va récupérer des magies qui ressemblent à ça, quoi. Après, vous verrez que la deuxième magie, la deuxième qu'on récupère, elle est assez particulière. Bon, sinon, graphiquement, est-ce que j'ai besoin de préciser que le jeu est tout simplement magnifique, superbe. On a des décors qui sont très jolis. Une fluidité, alors pas à toute épreuve, parce qu'il y a certains moments où ça ramera. Quand il y aura un petit peu trop d'effets à l'écran, ça ramera. Mais globalement, c'est un jeu qui est beau. Ça sert à rien, cette pièce. C'est un jeu qui est très beau, très bien animé. Avec pas mal de petites mimiques au niveau des ennemis, au niveau des, au niveau du personnage, des petites cinématiques, enfin des interniveaux assez bien dessinés, et puis bah une introduction en animé, en animé japonais qui est assez beau. Au passage, c'est une ROM bricolée que je joue là, c'est une ROM traduite par Aeon Genesis. Sinon, le jeu n'est jamais sorti, n'est jamais été traduit ni en anglais ni en autre chose. C'est un jeu purement japonais. Hein. Il est sorti que sur Super Famicom. Alors ici, il faut lui péter ses bras, cette plante là. Donc pour ça, on utilise tout simplement les bombes sucettes. Voilà. Et comme ça, on va pouvoir accéder au cœur de la plante. Toujours avec les bombes sucettes. Et on peut aussi utiliser l'épée. Ah, putain.
Bam, faire comme ça. Hein. Attention. Faut juste éviter de se faire toucher par les petits fruits là qu'elle lâche. Voilà. Et là dès qu'on a ces effets là comme ça, ça rame un petit peu. C'est très joli, mais ça rame un tout petit peu. Mais ça c'est pas grave encore, parce que c'est pas une séquence où on joue. Quand ça le fait, par exemple dans les niveaux plus loin, vous aurez des boules un petit peu rebondissant partout, ou vous aurez des flammes, des petites flammes qui vont brûler, des trucs comme ça. Là, ça va ramer un petit peu. Et on récupère la troisième magie. Donc là, alors vous voyez, bizarrement, c'est une magie qui coûte zéro. Pourquoi? Parce que c'est ça la magie. C'est un grappin. Et là, on touche sur un des points, à mon sens, un des points pénibles du jeu. Oh là, attention, je crois qu'il y a un truc à récupérer ici, ou c'est de l'autre côté. Ah, c'est de l'autre côté. Il me semble que c'est un cœur à récupérer. Le grappin, c'est un des points pénibles du jeu. Vous allez voir. Il se manie pas très bien, en fait. Donc là, j'agrandis ma barre de vie encore d'un cœur. Ça fait plaisir. Moi, j'adore cette petite princesse. Genre, quand à chaque fois qu'elle fait quelque chose, elle parle. Regardez, je lève la tête. Là, j'appuie sur O. Et elle fait un petit bruit à chaque fois. J'adore ça. Mais sinon, le grappin, voilà. Le grappin, faut faire comme ça. Et alors, le grappin, comment vous dire? Donc, le grappin, en fait, on saute, on s'accroche. On doit s'accrocher sur ces petits points d'ancrage. À partir de là, je ne touche plus à rien. Elle se balance toute seule. Et en fait, si j'appuie sur saut ou sur grappin, elle tombe. Sauf quand j'utilise une direction. Et par exemple, je fais ça. Là, j'ai utilisé une direction en étant en plein milieu du saut, en plein milieu de l'amplitude du balancement. Ça marche pas. Par contre, si je fais comme ça, voilà. Là, si j'attends d'être au maximum de l'amplitude pour sauter ou pour réutiliser la touche de grappin, ce qui revient au même, j'arrive à m'éjecter, à récupérer l'autre point d'ancrage. Et ben, ça a l'air de rien, mais les passages où il y aura ça, où il y aura du grappin à la chaîne, ce sera les passages les plus pénibles du jeu. Croyez-moi. J'ai pesté, c'est à partir du niveau 4 qu'on voit ça. Mais qu'est-ce qu'il veut, lui? C'est à partir du niveau 4 qu'on voit ça, et franchement, j'ai pesté. La plupart du temps, les passages au grappin seront optionnels. C'est-à-dire qu'on ne sera pas obligé. Bon, ici, on est obligé, parce que sinon, on pourrait aller plus loin sans récupérer la magie, ce qui est un peu... Voilà, attention. Mais ici, il me semble, par exemple, ce que je suis en train de faire, c'est parfaitement optionnel. Quoi que non, peut-être pas. Je sais plus. Là, il y a des bonus, je crois. Ouais, non, c'est une sortie. Permet d'aller en bas, mais il me semble que justement on veut pas aller en bas. On veut pas aller en bas, non. Ah si, voilà. Ici, vous avez typiquement un passage où je peux utiliser ces plateformes-là. Non, même pas, faut regrimper. Oh, je sais plus. Je sais qu'il y a pas mal de passages où on n'est pas obligé d'utiliser le grappin. Alors ici, comment ça se passe? Ici, il faut se mettre là. Ah oui, voilà. Voilà, là, vous voyez, je me fais moi-même mentir parce que là, j'y arrive du premier coup, donc c'est assez énervant. Mais non, la plupart du temps, le grappin, ça va être casse-pied. Et là, un petit changement de musique, un petit changement d'ambiance. C'est la nuit. Là, on peut pas y aller. En fait, il y a un ogre qui nous a fait tomber dans un fossé. Et là, pareil, on va devoir grimper de branche en branche en évitant ces petits mecs-là. Ah, putain. Et en évitant de tomber ici, surtout. Parce que sinon, il va falloir regrimper. Et surtout, ces mecs-là, ils balancent des flèches, ils sont très très pénibles. Hop. Alors ici, ouais, voilà, ici il y a un truc. Mais par contre, ici je vais essayer de le faire, mais si j'y arrive pas, j'y vais pas, parce que c'est pour récupérer un bonus. C'est pas primordial pour la suite du jeu. Et j'ai pas envie de me casser le trognon. Alors vous voyez, typiquement ici, voilà. Hop, ici. Voilà. Bon, pour récupérer un coffre. Et donc je vais pas le faire. Oh non, c'est pas vrai. Ça c'est chiant. Ça c'est un passage pénible. Parce qu'à chaque fois on se fait avoir par la flèche. Mais bon, c'est pas méchant. Donc un jeu superbe, je vous l'ai dit. Un jeu qui se manie très bien avec quelques petits ralentissements. Une musique qui est vraiment très bien. C'est-à-dire que la musique, elle est parfaite. Mais c'est pas vrai ça. Elle est parfaitement adaptée à l'ambiance du jeu en toutes circonstances. Elle est bien. Elle est bien, elle est sympa. Oh. Les thèmes sont entraînants, variés, rythmés, mais tu vas y arriver, oui ou merde? Ou alors on peut pas, mais si on peut. Hop. Bon, c'est pas grave. Bah si c'est grave, on est obligé d'aller par là. Pourquoi j'y arrive pas? C'est pas vrai ça. Normalement c'est là. Bah. J'ai picolé ou quoi? Hop. Bah.
Ah, voilà autre chose ici. Ah oui, voilà. Voilà. Ah, bah, il me fonce dessus, lui, c'est vrai. Et encore un passage. Et alors, par contre, ici, on n'est pas obligé. Hein. Ici, on n'est pas obligé. Dès qu'il y en a deux, au début du moment où on a le grappin, on n'est pas obligé de... C'est des passages optionnels, c'est pour avoir des bonus. Et donc, comme ça me casse les bonbons, je vais pas y aller. Là, en fait, quand on veut rebondir fort, il faut rester appuyé sur la touche de saut. Quand on rebondit sur une branche, comme ça. Bon, je dis ça, on n'est pas obligé, mais il me semble que si... Ah non, si, ouais. Voilà, on n'est pas obligé parce qu'il y a la plateforme qui est là. Et donc, je vais pas me casser le trognon, je vais utiliser la plateforme. Il faut savoir que ces passages au grappin, j'ai envie de dire, jeu de mots, accrochez-vous, quoi. Parce que c'est souvent très pénible. Et il y aura quelques passages obligatoires où il faudra absolument utiliser le grappin pour passer. Et qui, heureusement, ils sont pas très nombreux. Voilà, là j'y arrive, je le fais, mais la plupart du temps, j'y arrive pas. Donc, hop, 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 hop. Laisse-moi, Jeannot Lapin. Hop. Voilà, hop. On y va. Et donc, là, on peut pas y aller. On peut pas y aller par là, il faudra utiliser encore une fois un point d'ancrage de grappin. Qui se trouve ici. Alors lui, on va lui tomber dessus. Qui se trouve ici, que je dise pas de bêtises. Non, on peut pas aller là. C'est pas grave. Hop, on va aller par là. Ou alors c'est par là, c'est plus haut. Ouais, c'est plus haut. Voilà, c'est par là. Non, même pas, c'est pas par là. Pourtant, si, c'est là. Ah non, c'est là. C'est comme ça, voilà. Alors, on peut aller après, on peut aller soit de ce côté-là pour aller chercher le bonus. Non, c'est pas le bonus, je dis des bêtises. C'est la sortie. Si on va de l'autre côté, en fait, on retourne là où il y avait le... Bah si, c'est un bonus, c'est un gâteau. Gâteau, c'est le... Le gâteau, c'est la barre de vie pleine. Hein. Peu importe la taille de notre barre de vie, d'ailleurs. Hop, il faut quand même aller par là. Et là, un petit coup de grappin, et voilà. Si, il y a une porte. Je l'avais oublié, celle-là. Et là, attention au pic. Et là, je sais plus si c'est pas le boss. Non, pas encore. Ah oui, c'est le troll qu'on a vu tout à l'heure. Et en fait, c'est ici. Soit on a le choix, soit d'aller par là où on peut récupérer en fait le trésor qu'il gardait. Faut surtout éviter de retomber là, parce que sinon on se retape tout et c'est pénible. Le troll, je le laisse tranquille parce que il m'énerve, il sert à rien. Hop là. Et là, le boss. Donc le boss, pareil, on va avoir un boss quand même assez... assez simple. Puis hop, moi la technique que j'ai, c'est de le bourriner avec les bombes sucettes. Dès qu'il se met au sol, en fait, je le bourrine. Parce que là, quand il est vert, comme ça, on peut pas l'avoir. Là, il va nous faire une attaque à la con. Hop, raté. Boss très facile, un peu long. On peut l'avoir deux fois, là, mais il faut bien timer, c'est pas évident parce qu'on se fait toucher par son boomerang. Là, il va retomber, ouais, voilà, hop. Mais je peux pas l'avoir quand il est comme ça. Donc, ça. Mais bon, là, le truc des boss, c'est que la plupart du temps, ils ont une barre de vie qui est plus petite que la nôtre. Et donc, du coup, même au bourrinage, ça passe. La plupart des boss, ils passent au bourrinage. Donc, on les tape, on les tape, on les tape, on se fait toucher, mais c'est pas grave. La plupart des boss, c'est ça. Et donc, bah, et même sans utiliser les bombes fucettes ou quoi, ou les magies. Hein. Ah merde! Il y a des boss qui seront obligatoirement à tuer avec des magies, comme le boss. C'est un des boss du niveau 3. Alors, qu'est-ce qu'il nous fait lui? Voilà, il n'y en a plus, espèce d'ananas, là, c'est fini. Voilà, on a fini le niveau 2, tranquillement, et là, on va passer au niveau 3. Et on va se laisser là-dessus, je pense. Pour ce qui est donc de ce jeu au niveau difficulté, je vous ai dit, on va parler des passages au grappin qui sont pénibles. C'est pas un jeu franchement difficile. Il y a des phases de plateforme qui sont un petit peu énervantes, qu'il faudra bien gérer, mais concrètement, c'est pas un jeu spécialement difficile. Et notamment à cause des boss qui passent quasiment tous au bourrinage. Donc c'est pas un jeu spécialement difficile. Mais il se corse quand même un petit peu vers la fin, notamment avec des passages bloquants, des passages timés, etc. à partir du niveau 4. Jusqu'au niveau 4, rien de bien méchant. Hop, ici, bon, classique, des plateformes qui s'affaissent, tout ça. Bon, c'est du grand classique de la plateforme.
Donc au niveau difficulté, c'est pas... Tiens, oui, tiens, je ne vous l'ai pas dit, ça. Il y a une super magie différente. Oh, je vais vous montrer celle du grappin. Il y a une super magie différente en fonction des magies. Hein. C'est pas toujours le Kamehameha. Ah ben voilà, typiquement là, premier passage casse-couille au grappin. Bon, je me fais mentir une fois de plus. Pourtant, je vous assure que quand je me suis... Encore un demi-boss, tiens. Hop, lui, assez simple également. Pareil, lui, au bourrinage, à l'aise. Hein. Passe à l'aise au bourrinage. Hein. Voilà. Donc les boss, quand ils sont invulnérables, ils peuvent pas nous toucher, on peut pas les toucher non plus. Voilà, hop. Lui, il est super, super simple, encore une fois. Voilà. On le laisse passer quand c'est comme ça, puisque... De toute façon, il est invulnérable, il peut pas nous toucher et nous on peut pas le toucher non plus. Ah mince! Voilà. Non, pas comme ça. Ah! Ah, j'ai plus de bombe magie donc je vais utiliser le. J'ai plus de bombe sucette donc je vais utiliser l'épée normale. Hein. Voilà. Très facile. Donc le jeu est relativement simple, à part, je vous dis, vers la fin, ça commence à se corser un petit peu. Il y aura quelques passages aussi où il faudra faire attention à sa magie. Si on utilise toute sa magie, bah, on va se retrouver coincé, notamment la dernière magie. C'est une magie qui permet de se déplacer sur, se rouler en boule en fait pour se déplacer sur les murs. Et cette magie-là, bah, on en aura besoin à certains endroits. Et si on a gaspillé toute sa magie, on sera obligé de mourir pour pouvoir... Hop là, un petit cœur et un petit gâteau. On sera obligé de mourir pour revenir au checkpoint, puisqu'il y a un checkpoint par niveau, hein, classique. On sera obligé de mourir pour pouvoir recharger en fait ces étoiles et refaire popper les ennemis. Bon, ici on peut pas y aller, tant qu'on n'a pas la magie, suivante. On va essayer d'avoir dans ce niveau. Hop. Hop là. Des très beaux effets de déformation aussi, hein, des effets de flammes. Et re un boss. Là par contre je vais pas pouvoir utiliser les bombes parce que j'en ai plus. Lui il faut casser ce qu'il a autour de lui. Ah si, je voulais vous montrer le super effet de la... Bah non c'est pas... Mince, je me suis trompé. Je voulais vous montrer celui du grappin. Ah, tant pis, je vous montrerai plus tard. C'est très efficace aussi ça. Magic à la bamba, c'est très efficace. Hop, alors lui il va me faire mal, non même pas, hop, et voilà. Pareil, bourrinage, ça passe. Vous avez vu, aucune difficulté. Ils sont assez bien faits les boss, hein. C'est dommage, il y a de bonnes idées, mais bourrinage, ça passe. Et alors bizarrement, il n'y a pas de règles pour le nombre de mini-boss. Il y a des endroits où il y en a 2, 3, il y a des niveaux où il y en a 1. Bon, il n'y a pas de règles particulières. On va aller ici. Alors ici, qu'est-ce qu'on a ici? Ah, ils sont chiants, eux. Une espèce de dalcime en argile, là. Saloperie, vas-y, dégage. Hop. Je crois que c'est ici qu'on va avoir la magie. Oui. Magie de glace. Vous aurez compris, puisqu'il y a des flammes à dégommer, donc magie de glace, puis après magie de feu, et ainsi de suite. Sachant que la magie de feu, après, elle servira pas énormément. Hop. Alors, eux, ils sont chiants parce qu'ils s'en forment en pique. Chose que ne faisaient pas les autres. Et souvent, ces petits ennemis-là, il faut les buter en deux fois. Ah! Voilà. Alors, par contre, là, je sais qu'il y avait des coffres. Alors, comment on peut y aller? On va essayer d'y aller. Je suppose qu'il faut buter les dalcimes. Ah bah voilà, là, encore le grappin de merde. Voilà, ah bah voilà. Bon, c'est bon, comme ça, au moins. Hop là. Ah bah voilà, j'ai pas... Faut que j'arrête de dire voilà. Ah bah ça, je suis mort. Première vie perdue. Bon, tranquille. Alors, on reprend à la porte d'où on est rentré avant de mourir. Donc en fait, bah... Alors par contre, ouais, j'ai gardé ma magie, donc bah je vais continuer. J'en ai rien à foutre des bonus. Je vais continuer tranquillement. Alors ici, pareil. Ça rame un petit peu là quand il y a des ogres comme ça. Ça j'en ai pas besoin. Enfin, je vais finir par en avoir besoin si je continue à me faire toucher. Voilà, certains gros ennemis comme ça qui se tuent en trois coups. Alors est-ce qu'on peut. Ouais. Ah, vas-y, dégage. Voilà, je reprends un petit peu de magie, un petit peu d'étoile. Donc qu'est-ce que je pense de ce Magical Poppen qui est.
Je vous l'ai dit, développé par Paul Star, qui est un éditeur, un développeur que je connais absolument pas. A priori, ils ont fait que ça, les mecs. Ce qui est déjà pas mal. Hein. Ils ont fait que ce jeu. Et pareil, Packing Video, je connaissais pas non plus. Donc, qu'est-ce que je pense de ce Magical Poppen? Bah, concrètement, c'est un très bon jeu de plateforme, un peu court, parce qu'il y a, que je dise pas de bêtises, 6 niveaux, 6 niveaux, 6 grands niveaux, enfin 6 stages, avec des longueurs de stages plus ou moins correctes, plus ou moins longues. Vous voyez, si ça rame un petit peu, parce qu'il y a des... il y a des bombes, enfin, l'autre, il lance des bombes, là, il y a des boules de feu qui se promènent, il y a des boules d'énergie. C'est une des... Oh là! Je me suis fait vu. C'est une des premières salles où ça rame vraiment ici. Mais il me fait chier, lui! Oh! C'est une des premières salles où ça coince vraiment au niveau fluidité. Ici. Puis ça coince un petit peu aussi au niveau jouabilité parce que, bah, je me fais avoir comme un bleu. Voilà. Alors, attention ici, il faut que j'arrive à... Hop là! C'est bon, je l'ai tué. Mais je crois qu'il va repopper. Parce qu'en fait, si on s'éloigne trop d'un ennemi, il finit par repopper. Et normalement, voilà, c'est ce que je vous disais, le Dalsim, il repop. Alors, je le dégomme avec la magie de glace, qui permet de tirer à distance. Donc, concrètement, je trouve que c'est un jeu qui est superbement bien réalisé. Enfin, faudrait vraiment être bigleux pour... Ah, mais je me suis fait mal. Faudrait vraiment être bigleux pour dire le contraire. Avec quelques petits écueils au niveau de la fluidité, mais rien de rédhibitoire non plus. Voilà. Tout ça pour une étoile, mais bon. Mais c'était quand même là qu'il fallait aller, donc... Et là, on a le... Bah, c'est le... Ça me permet d'avoir une barre de vie à 6 cœurs. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et là, je sais plus où ça nous mène, ça... Ah bah oui, ça nous mène... C'est là où on doit aller, en fait. Donc ça va. Pareil, vous voyez, quand il y a ces effets de flamme comme ça, quand il y en a beaucoup à l'écran, plus des effets divers, en plus de ce que balancent les ennemis et tout ça, ça ralentit pas mal. Mais bon. Hop. Alors attention. Et mince. Oh, il m'énerve. Parce qu'en plus, ils sont chiants, ils sont difficiles à tuer. Donc, un très bon jeu au niveau réalisation. Après, au niveau difficulté, on est sur quelque chose d'assez moyen. C'est pas... Ah oui, j'avais oublié ça, c'est vrai. On est sur quelque chose d'assez moyen. Même si je joue comme une brêle. On est sur quelque chose qui n'est pas très dur. À la fin, ça se corse un petit peu, mais rien de méchant. Il n'y a que le dernier boss qui passe pas au bourrinage. Lui, il faut vraiment apprendre son pattern et tout ça. Voilà, ici ça passe. Il faut vraiment apprendre son pattern et tout ça. Mais autrement, c'est pas un jeu spécialement difficile. Ouais, ici, on va essayer d'aller... Hop. Ah non, on peut pas. Bon, tant pis, je me suis fait avoir. Je passe. De toute façon, ce sera rien d'important. Ce sera pas des cœurs, des choses comme ça, puisque les cœurs, on les a déjà eus. Ça, on peut geler ces trucs-là. Alors que les boules de feu qu'il y avait un peu avant, on pouvait pas les geler. Et vous voyez que dès que j'utilise l'effet de glace... Ah, c'est pas vrai. Vas-y, dégage. Tas de boue. C'est un tas de boue, techniquement. Par contre, là, je suis obligé d'utiliser le grappin. Et ça va me ravir. Et pourtant, je vous dis, je me plains, mais j'arrête pas de réussir à m'en servir de ce grappin que je n'aime pas du tout. Voilà, lui, je le bourrine parce qu'il me fatigue. Il me fatigue, ces petits bonhommes en mousse, là, ces petits bonhommes en pierre. Les bonhommes en pain d'épices, il me fatigue. Ah non! Et ça aussi, c'est souvent, ça arrive, c'est comme il faut appuyer sur haut pour franchir une porte, comme dans beaucoup de jeux, bah, on essaye de taper vers le haut et en fait, on se fait avoir. On part au début et comme ça repop, et bah, on est bon pour recommencer. Et eux, je les bourrine par en dessous parce que... Ah, une bombe, attention! Les bombes, c'est des bombes. Pas vous faire le détail, hein, c'est... Ça, par contre, c'est un gratto. Ça fait plaisir. C'est pas bon pour la ligne, mais ça fait plaisir. Voilà, donc Magical Poppen, un jeu que je vous recommande si vous aimez les jeux de plateforme rapides et nerveux sur Super Famicom, avec toutefois le bémol de la difficulté un petit peu en berne. Attention, hein, c'est pas un jeu facile, hein. C'est un jeu qui est, qui se fait relativement vite et qui a quelques passages bloquants et des boss faciles. La plupart des boss très faciles. Voilà, notamment, vous allez voir celui-là. Bah par contre, il n'y a pas beaucoup de magie, donc je sais pas comment ça va se passer, parce que celui-là, on est obligé d'utiliser la magie. C'est bizarre que j'ai pas beaucoup de magie. Voilà. Après, je dis qu'on est obligé, mais je suis pas... J'ai jamais essayé de pas le bourriner avec la magie.
Écoutez, je vais essayer comme ça, on verra bien. Mais peut-être qu'on peut le taper sans magie, en fait. Ouais, il va nous faire un super truc. Ah non, j'ai raté. Voilà, ah, je l'ai raté. Je l'ai raté une deuxième fois. Bon, je vous dis, lui, il est pas spécial. Ah non, on peut le taper sans magie. Bon, c'est bien. Tant mieux, ça va plus vite. Bon, quand il fait ça, on peut pas le toucher. Enfin bref, vous aurez compris. Et vous avez vu ma barre de vie. J'arrête pas de me faire toucher, ma barre de vie ne baisse quasiment pas. Vous avez remarqué ça, j'espère. Bon, je vous dis, c'est au niveau des boss, c'est juste de la rigolade, quoi. Mince. Eh ben alors, tu vas te mettre bien, oui. Voilà, par contre, c'est embêtant parce que je suis obligé de monter sur sa main pour pouvoir le toucher. Voilà. Ah ben, je peux monter là aussi, tiens. Je peux monter sur toute la statue. Voilà, très facile. Je vous montre le début du niveau suivant, le fameux niveau 4, un petit peu casse-couille. Et voilà. Donc, c'est un jeu. C'est un jeu qui a un aspect faussement non linéaire parce qu'il y a des passages... Quelques passages alternatifs et quelques passages où on pourra aller, des passages secrets, des choses comme ça, mais globalement, le jeu reste, comme tout jeu de plateforme, assez linéaire. Nuage magique, ça, c'est un petit clin d'œil à Dragon Ball. Donc, faussement non linéaire. On a beaucoup de points forts, concrètement. Les passages secrets, cet aspect-là, faussement non linéaire. Les musiques, les graphismes, la maniabilité, les pouvoirs, les attaques du perso. Tout ça, ça fait que c'est un jeu vraiment très intéressant au niveau gameplay. Ça, il n'y a aucun souci de ce côté-là. Réalisation somptueuse, gameplay aux petits oignons et une palette d'action très riche. Je vous dis quelques points agaçants, c'est ce grappin de merde, là. Ah, mais qu'est-ce que je fais? Je repars en arrière. Ce grappin qui est une horreur, enfin, à mon sens, même si je pense que ça vient peut-être un petit peu de moi. Parce que dans cette vidéo, j'ai quasiment réussi à enchaîner les grappins sans problème. Donc c'est peut-être moi qui ai un problème. Quand je suis mal luné, le grappin ne passe pas, j'en sais rien. Mais j'ai trouvé, quand j'ai préparé ce test, j'ai trouvé que le grappin, c'était vraiment très pénible à utiliser. Et donc là, un peu moins, parce que je vous dis, j'ai réussi à m'en servir, donc je sais pas trop. Une très très bonne expérience dans l'ensemble, avec une durée de vie correcte. Un peu court, je trouve. On en demande toujours plus de ce genre de jeu. Tiens, voilà le boss du niveau 1, on sait pas pourquoi il revient, lui. On sait pas pourquoi il revient. Un petit peu court. Hop. Enfin, lui, c'est quand même un petit peu court, même si j'aurais... On aurait aimé quand même avoir un ou deux niveaux. Après, on sait pas si le fait d'avoir un ou deux niveaux ou un ou deux magies supplémentaires, ça aurait peut-être gâché la sauce, je sais pas. Donc, durée de vie et difficulté correcte, même si la difficulté, les boss sont quand même pour la plupart très faciles, passent quasiment tous au bourrinage, mais sinon très correct. Donc un très bon jeu, pas exceptionnel, pas un des meilleurs jeux de plateforme de la console, il y a mieux, il y a plus complet, mais quand même globalement un bon résultat. Voilà, on va se finir sur ce mini-boss pourri. On a déjà vu, voilà, je sais pas pourquoi il revient. Quand on arrive là, on se dit, oula, c'est la fin du jeu, c'est un boss rush, qu'est-ce qui se passe? Mais en fait, non, il y a juste lui. Après, il y aura d'autres boss, mais on sait pas pourquoi lui, il revient. Ça doit être un truc de japonais, on ne veut pas savoir pourquoi. Merci à tous d'avoir suivi ce test de Magical Poppin sur Super Famicom. A bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Doc McCoy. Salut! Hey! 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 Hey!